Va payer ta retraite. Comment ChatGPT va payer ta retraite? C'est le sujet de ce PPV Morning Show Business 591 que tu ne veux certainement pas rater. Alors, si tu as 40 ans, 50 ans, 55 ans, aujourd'hui, tu risques de ne plus avoir de revenus de retraite quand tu arriveras à l'âge de la retraite. Et ce n'est pas une éventualité, les enfants, c'est une réalité, hein? Donc, c'est pas le moment de paniquer. Je parle pour celles qui ont encore 10, 15 ans devant elles, tu vois. C'est pas le moment de paniquer. Au lieu de ça, je propose qu'on regarde ensemble toutes les solutions qui s'offrent à toi, et notamment l'intelligence artificielle. Et je vais te dire que de bonnes nouvelles s'annoncent, d'excellentes nouvelles s'annoncent. Dit autrement, comment ChatGPT va payer ta retraite? Mais oui, allez, on y va, c'est parti. Alors, aujourd'hui, le système de répartition, il est tel que nous payons la retraite de nos parents et que nos enfants sont en train de payer nos retraites. Et donc, c'est les cotisations des travailleurs actuels qui financent les pensions des retraités actuels. Mais entre nous, qui sommes plus nombreux à arriver à la retraite, qui vivons plus longtemps et qui avons moins d'enfants, eh bien, il faut pas avoir fait Polytechnique non plus hein, pour voir que le système va coincer à un moment et que dépendre complètement du système public de retraite est juste inconscient. Inconscient. Donc, en tant qu'entrepreneur, l'idée d'un revenu de retraite, tu vois, issu des salaires, est un concept, comment te dire, qui n'existe pas, en fait, qui n'existe pas pour nous. Chaque entrepreneur met en place des systèmes pour avoir des revenus en dehors des pensions. Chaque entrepreneur sait qu'il n'aura pas de pension. Et donc, les systèmes mis en place, il y en a plein. Il y en a plein. Et si tu utilises dans tes systèmes, l'automatisation dont je parle beaucoup, plus l'intelligence artificielle qui vient d'arriver, enfin qui vient d'arriver, non, mais qui est en train de devenir grand public avec notamment ChatGPT, mais aussi des centaines d'autres intelligences artificielles disponibles aujourd'hui gratuitement. Ça ne va pas durer, les enfants, gratuitement. Ben, si tu mets en place automatisation, intelligence artificielle, tu vas gagner encore plus de temps à mettre en place tes, on va dire, tes plans B, tes side projects, bref. Et comme le temps, c'est de l'argent, ben, je te laisse faire la conclusion toute seule. Donc, en général, les salariés sont beaucoup plus à la bourre là-dessus. Beaucoup plus à la bourre pour deux raisons. La première, c'est que elle, on va dire elle travaille trop. Elle travaille trop, enfin elle travaille mal en fait. Le temps réparti à faire des choses, tu vois, dans les 80-20, il y a une répartition qui est largement mal faite. Et du coup, comme elle travaille trop, que le temps est mal employé, elle n'en le temps de faire rien d'autre à côté, mesdames les salariés. Du coup, le soir, le week-end, si tu es salarié, tu te reposes du travail de la semaine, donc tu n'avances pas en fait. Tu es dans ton truc là, comme le hamster dans sa roue, puis tu n'avances pas. Puis plus on augmente la vitesse et plus toi tu pédales. Donc ça, j'en ai parlé aussi beaucoup. Ça mène nulle part à part t'éjecter un moment du système. La deuxième raison pour laquelle les salariés sont complètement à la ramasse là-dessus, c'est qu'elle se croit à l'abri. Tu vois, en tant que salarié, tu te crois à l'abri, tu as un chapeau, tu as un toit sur la tête, c'est chauffé, etc. Un peu moins chauffé en ce moment, mais voilà, tu te crois à l'abri alors que tu l'es absolument pas, absolument pas. Donc, si tu es salarié, je ne sais pas comment te dire, je ne sais pas comment te dire, mais il est vraiment temps, je vais le dire, tu vois, soft, il est vraiment temps que tu te bouges. Parce que si tu crois que Jean-Michel, que tu croises, tu vois, tous les jours, n'a pas préparé, lui, ses arrières, eh bien, j'ai envie de te dire, tu te trompes grave sur toute la ligne. Je vais te raconter une petite histoire qui remonte à 2016.
À cette époque, je donnais encore des ateliers en présentiel dans les grandes entreprises. C'était l'essentiel de mon activité avec le Forum de la mixité. Donc là, je donne un atelier sur l'argent, tu vois, dans une entreprise auprès d'un groupe de environ 15 personnes, ce qui est le groupe à peu près pour un workshop en entreprise. 15 personnes. Donc il y avait des managers femmes, des managers hommes, les deux. Tu vois, c'est un groupe mixte pour une fois. Et à un moment donné, dans cette thématique workshop sur l'argent, je demande innocemment, tu vois, qui a plusieurs sources de revenus? Qui a plusieurs sources de revenus? Qui a d'autres sources de revenus en plus de son salaire? Évidemment, dans l'optique de diversifier aujourd'hui et aussi de préparer sa retraite demain. Tu vois, je lance ça comme question. À ton avis, cinq personnes seulement ont levé la main. Cinq. À ton avis, qui sont les cinq personnes qui ont levé la main? À ton avis, les Julie, comme je les appelle, comme je nous appelle, comme je vous appelle, ou les Jean-Michel? Qui a levé la main? Les cinq, il y en a cinq sur 15. Cinq Jean-Michel. Cinq Jean-Michel. Aucune femme, aucune Julie, aucune manager femme n'avait préparé un système pour avoir une autre source de revenus et préparer sa retraite de façon autonome. Aucune femme. Et toutes, quand elles ont vu les cinq Jean-Mimi, tu vois, lever la main, elles sont restées décomposées en voyant que leurs collègues qu'elles croisaient tous les jours, qui avaient a priori le même temps de travail qu'elles et qui avaient les mêmes 24 heures dans la journée, prenaient en plus le temps de préparer leurs arrières, de préparer l'avenir en ayant mis en place un plan B. Donc, pour lancer un side project, c'est simple. Moi, j'ai lancé un accompagnement là-dessus, tu le sais, soit une formation, soit un coaching one-to-one. Depuis, ça fait 2017 que j'ai lancé un accompagnement là-dessus. Non, je dis n'importe quoi. Je l'ai lancé en 2019, l'accompagnement Side Project, en 2019. Et j'ai accompagné déjà, depuis 2019, des centaines de femmes, hein, donc les Julie, elles commencent à s'y mettre un petit peu quand même, hein, qui se préparent, voilà, dans l'ombre, sous ton nez. Et si tu veux les rejoindre, bah, soit tu tapes sur le lien d'inscription pour la formation ou pour le coaching one-to-one. Tu trouveras un lien aussi, tu m'envoies un MP. Et c'est un bon moment parce que en ce moment, pour les coachings one-to-one, j'offre la première séance. Mais non, mais si. J'offre la première séance. Donc, ça vaut le coup de se lancer si tu ne l'as pas déjà fait. Alors, lancer un side project quand tu es salarié, c'est simple aujourd'hui, encore pour deux raisons, on va dire. C'est encore plus simple. Ça devient de plus en plus simple. Ça devient vraiment hyper easy. Donc, la première raison pour laquelle c'est simple, on l'avait déjà, c'est que monter une entreprise, alors moi, on verra à la bourse. Les cryptos, l'IMO, etc. Moi, je me focalise sur ce que je maîtrise et voilà, sur lequel j'ai vraiment un impact, c'est-à-dire créer un business. L'IMO, tu es un peu dépendant des lois qui passent. La bourse, tu es un peu dépendant des décisions des uns et des autres. La crypto, encore plus. Tu vois, il suffit que tu aies une grosse baleine qui te lance un truc et puis du coup, tout s'effondre. Donc voilà, pour l'instant, je reste sur les domaines qu'on maîtrise, c'est-à-dire la création de business en tant que side project. Donc c'est quand tu es salarié, c'est simple, hyper simple de lancer un side project business pour deux raisons. La première, c'est monter une entreprise qui rapporte, tu vois, un revenu. Ça coûte rien. En vrai, ça coûte rien grâce justement à des centaines de logiciels d'automatisation de tâches qui, si elles avaient été faites avant par des salariés, tu vois, par des salariés ou même des freelances, ça t'aurait demandé d'embaucher, ça t'aurait coûté énormément, ça t'aurait coûté une blinde. Ça m'a coûté une blinde, moi, quand j'avais une entreprise dite classique. Voilà. Et aujourd'hui, bah, en gros, oui, tu n'as plus besoin de salariés pour effectuer des tonnes de tâches. Tu as juste des logiciels qui tournent H24, sur lesquels tu n'as pas de charge. Et évidemment, les side projects que j'aide à monter bah, utilisent depuis 2019 tous des logiciels que les logiciels que j'ai sélectionnés. Il y en a tellement.
que voilà, il y a les meilleurs. Alors après, il faut se mettre à jour régulièrement. Et c'est ce que j'essaye de faire dans le programme. Du coup, voilà, je fais moi la sélection et je te la donne. La deuxième, pour la raison pour laquelle c'est ultra simple aujourd'hui, mais c'est avec l'intelligence artificielle. Parce que, tu vois, le truc, c'est encore plus facile, c'est encore moins coûteux avec le progrès de l'intelligence artificielle. Alors, là, moi aussi, j'ai bossé dans l'ombre depuis des mois. Parce que ça fait quand même, il y a ChatGPT, on en parle, mais il y a quand même énormément de sites d'intelligence artificielle, des centaines de sites d'intelligence artificielle qui te font le taf à ta place. Donc, j'ai vraiment bossé aussi. Il faudra que je fasse, si vous mettez des likes, des partages, des commentaires, je ferai un morning show sur les 10 sites d'intelligence artificielle super top à utiliser en ce moment quand vous faites des side projects. Donc, si vous voulez ça, bah, dites-le moi. Mettez-moi des likes, des commentaires, des partages, je le ferai. Mais voilà, avec ces deux raisons-là, les trucs d'automatisation, les logiciels d'automatisation, plus l'intelligence artificielle, ça devient easy. Mais je crois que maintenant, les enfants de 10 ans vont avoir déjà des revenus qui leur assurera leurs ressources complémentaires tout au long de leur vie et aussi pour leur retraite. Et alors que toi, tu vois, à 45, 55, t'auras même pas mis en place ça. Ça devient ridicule tellement ça va être easy à monter et tellement tu vas te faire doubler si tu mets rien en place. Donc, oui, ChatGPT est capable de te créer ta retraite aujourd'hui. Et les enfants, il est temps de s'y mettre. Les Julie, il est temps de s'y mettre parce que c'est pas normal que les Jean-Michel nous coiffe au poteau sur